Eh ben, t'as pas perdu de temps. C'est qui? C'est ma femme. T'es mariée? Mais ça me semblait obsolète. Je savais bien que tu me trompais. Oh non, 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 Selma. Oh non, non, tu vas pas commencer, hein. Je sais pas si t'es au courant, mais on est mort, là. Bon, c'est difficile à croire, mais... Oh non, je le crois sans problème. Bonjour, monsieur Rodriguez. Qu'est-ce qu'il fait là, le concierge? Il a repris la clope. Je me suis suicidée au gaz. Bonjour, madame Rodriguez. Les huissiers me sont tombés dessus. Tu m'as laissé un paquet de têtes, mon salaud. Je comptais pas mourir, Selma. Eh ben, t'aurais dû prévoir, parce que merci la vie que tu m'as laissée. Puis alors, ta famille, tes amis exemplaires, pas un pour répondre à mes appels. Total, je me suis retrouvée toute seule comme une conne. Baptiste, t'aurais dû me dire que... quoi? Que je suis mariée à une hystérique? Que j'avais préparé les papiers du divorce depuis 3 semaines? Et que j'allais voir mon avocat quand je suis mort? Qu'elle faisait chier tous les jours que Dieu fait à me soupçonner de la tromper? Mais la preuve, non? On est mort, Selma. Tu vois, il y a prescription. Monsieur et madame Prosit. Ouais. Vous avez été tous les deux condamnés aux enfers. Ah, oh, pour l'immeuble, je suis désolée. Le simple suicide suffit à la condamnation. Mais je comprends pas, mon dossier devait être examiné pour cause de bonne conduite. Vous avez été reconnu responsable du suicide de madame et de la mort des 11 habitants de l'immeuble. Mais on était mariés, est-ce que la mort nous sépare? On est mort là. Je suis pas responsable de ces actes. Ah, merci Baptiste, tu m'auras bien pollué la vie jusqu'au bout. Ouais. Et c'est pas moi qui allumais le gaz, hein. Je te signale qu'avant que tu débarques, j'étais à ça d'être acquitté. Oh les gars, on a un code 203. On le libère. Un code 203? Ouais, décision des hautes autorités divines. Ah, ça vient d'en haut. C'est quoi? C'est quoi le code 203? Dérogation spéciale. Paradis sous parole, mais on vous tient à l'œil. La moindre incartade, c'est les enfers directs. Un peu sûr. Bah, et moi? On fait pas de ça d'habitude, mais ça vous dit la réincarnation? Ouais, ça roule.